Eh bien bonjour à tous, on va tester Anime Lost Simulator aujourd'hui, encore un simulateur Roblox. Alors c'est parti, voyons voir ce qu'il vaut. Je ne sais pas encore et ça me fait un peu peur. Alors déjà, les graphes ont l'air ok, on a l'air d'être dans un monde Dragon Ball. Alors voyons voir, essayons de prendre une quête. Collect. Ok, tue 10 NPC faibles, d'accord, donc Raditz je suppose. Ok, peut-être pas Raditz en fait, il est en train de m'éclater. Attends, enfin il m'éclate pas parce qu'il me fait pas de dégâts mais ouais. J'arriverai pas à le tuer. Attends, par contre, si je fais une attaque spéciale, Makenko sa peau, il s'est rien passé. Qu'est-ce que c'est? Quoi? ça commence étrange. Attends. Si, je peux tuer Raditz. Ok, j'ai rien dit. On va mettre un auto-cliqueur si j'en ai déjà un. Ok, nickel. Ok, non, ça va. À chaque coup. Ah, bah attends, avec l'auto-cliqueur, en plus, je frappe super vite. Et à chaque coup, je fais de plus en plus mal. Je pense que j'ai déjà, genre, fait fois peut-être 50 de mes dégâts de base, donc c'est pas mal. Ok, réaction de Makenko sa peau. Ok, Raditz. Makenko sa peau, c'est éclaté. J'ai pas vu les effets. Je les ai pas vus. L'animation est cool. Enfin, la pose est cool. C'est la pose qu'a Gohan dans le film. J'ai pas vu le film. Ok, d'accord. Je sais, je suis un faux fan de Dragon Ball. Il m'intéressait pas. Il avait pas l'air cool. Mais la pose du Gohan, en tout cas, je l'ai vue dans Dokkan et tout. Elle est cool. Je pense qu'elle est plus stylée que la pose de Piccolo. Je l'apprécie. C'est cool qu'ils aient mis celle-là. C'est celle qu'ils veulent mettre aussi dans pas mal d'autres jeux. Genre Dragon Ball Nexus. Le jeu qui est en développement depuis genre. Plus de deux, enfin qui a mis une alpha il y a genre 2 ans et puis après n'a plus jamais rien fait. Mais ils ont ça, ils vont avoir ça aussi. C'est plutôt cool. J'espère qu'ils sortiront juste un truc dans pas trop longtemps parce que ça fait quand même. 2 ans ça fait une sacrée durée. Par contre, mais il est éclaté. Mon Makenko sa peau il pue. On va prendre la super batte. Oh attends, waouh, il y a une aura et tout. Okay, je m'attendais à ce que ce soit juste un bâton ou alors le bâton magique de Goku, mais en fait, ok, les armes sont plutôt cool, les effets sont plutôt stylés. J'espère qu'on va débloquer plus de trucs. Là j'ai l'impression que je gagne plus d'upgrade. Ouais, on dirait que c'est ça. Voyons voir. Power 0.3. Ok, donc j'ai l'impression qu'en gros, grâce à ce bâton, je power up de plus en plus à chaque coup. Donc là, tu as un Raditz, ça va être dans très peu de temps extrêmement facile. Ça, c'est cool. À quoi servent les étoiles par terre? Faut les ramasser obligatoirement? On dirait que oui. Ok, ça doit être mes coins. Ok, et qu'est-ce que je peux faire de ces coins? Alors, voyons voir. 5 gemmes, j'ai pas 5 gemmes. Spécial pets. Je suppose que c'est juste les pets que je peux acheter. Ouais, il y a Gogeta là-bas, ça rigole pas. Le jeu est plutôt beau. Le jeu est pas mal en vrai, plutôt beau. Ok, donc ça je peux pas acheter pour l'instant. Très bien. Après, je sais pas trop à quoi servent les autres trucs. Ok, jusqu'ici c'est un simulateur, c'est classique. À part le Makenko sa peau qui a une animation un peu éclataxe. Pour l'instant, le jeu est plutôt bien. Et après, vu que c'est la première attaque que j'ai, je suppose qu'elles vont être beaucoup plus cool au bout d'un moment. Donc je vais pas trop juger. Genre, ok, le Makenko sa peau, je m'attendais à une dingue et ça l'était pas. Mais c'est pas grave. C'est la première attaque. Normal que ce soit pas ouf. Il faut que je récolte cette étoile. J'aime pas les jeux comme ça. J'aime pas. Ok, d'accord. Il faut que je critique un truc. on sait tous pourquoi les coins drop par terre et qu'on doit courir pour les ramasser. C'est parce qu'ils vont nous vendre un Game Pass pour que ça se ramasse automatiquement. Laissez-moi aller voir les Game Pass. Où est le bouton shop? Ok, là. Alors, voyons voir. Magnet. Tiens. En vrai, en tant que moi-même développeur de jeux et game designer, surtout, ça me fait toujours mal au cœur quand je vois les jeux comme ça qui ils font exprès de créer un problème dans le jeu, un problème qui rend le jeu bien plus nul pour te vendre la solution. C'est un problème, même pas que sur Roblox, mais genre dans le gaming en général. Ouais. Personne n'aime avoir besoin de payer pour avoir un jeu mieux, alors qu'ils auraient pu le faire mieux. Genre, je préfère, à la limite, j'aime bien les jeux comme genre League of Legends, à la limite Fortnite, ou s'ils te vendent des cosmétiques, moi ça me dérange pas. Moi, il n'y a aucun problème. Tu me vends un cosmétique, pas de souci, pas de blème. Même les jeux, bon, un peu plus pay to win, d'accord, bon, ok. Quand ça permet juste de progresser plus vite dans le jeu, style Clash of Clans, bon, c'est tout de suite un peu moins ouf, mais c'est ok. Mais ouais, quand on commence à me vendre juste le... Tu veux que le jeu soit agréable à jouer? Tu veux qu'il y ait de la quality of life? Eh bien, paye. Non, là c'est la limite. Là, c'est la limite où je commence à me dire, bon, les mecs. Vous avez vraiment pris du temps de développement juste pour nous faire chier. Alors, on en est là. Bref, pas important. De toute façon, ils le changeront pas. On est sur Roblox. Roblox en lui-même est un jeu extrêmement pay to win. Donc, plus rien d'étonnant à ce niveau-là. Ça sert à rien que je râle par rapport à ça. Soyons honnêtes, tout le monde s'en fiche parce que ça changera absolument jamais. Ok, donc tu en seras dit. Il faut que je tue 5 NPC strong maintenant. Donc on va essayer de faire ça. Je vais invoquer un pet d'abord. Casse-toi, tortue génial, je m'en bats les couilles de toi. Ok, est-ce que je peux avoir un truc de ouf? Trunks, rare. Ok, pas trop mal. Ok,
Le pic a l'air assez chaud à avoir par rapport à Trunks. Donc on a, ouais, on a 60% de Piccolo, c'est chaud. Les taux de drop, ouais, ça fait beaucoup de Piccolo. Et puis je dis ça, mais en vrai, j'ai deux Trunks. Ok, après, est-ce que le taux de drop est réel? Ça, je ne sais pas. Équipons les meilleurs. Est-ce qu'il y a un bouton pour équiper les bests? Probablement. Équipe your best, voilà, c'est celui-là. Ok, à quoi ça sert? Ça me fait... Ouais, ça me fait plus de power-up quand je frappe, d'accord. Je suppose qu'il faut que je tape celle pas parfait là pour la quête. On va le bolosser. Attends, je lui fais aucun dégât. Mais je ne lui fais rien. Mais Sophie, je vais pas y arriver. Ok, c'est pas... On va juste le bolosser en boucle. Avec mes pets déjà, je suis en train de power-up de plus en plus rapidement. Bam, bim, bam, boum. Oh, sa mère, il est lent à tuer. Il est très lent. Il faudrait que je droppe une meilleure arme. Je pense que celle va m'en dropper une meilleure. Eh, on peut voir, attendez, je viens de remarquer, il y a mon DPS à droite de l'écran. Donc je peux voir littéralement en temps réel à quel point mon DPS augmente. Plus, il y a les chiffres aussi, évidemment, les petits chiffres de dégâts. Ça, c'est toujours cool. J'adore. Alors, bon, peut-être que je suis un peu seul là-dessus. J'adore juste avoir des bons chiffres de dégâts dans les jeux. J'aime bien voir ma puissance. J'aime bien voir à quel point mes dégâts sont de plus en plus élevés. Évidemment, mon type de jeu préféré, c'est les RPG. Donc, est-ce vraiment une surprise que je sois fan des chiffres? Non, absolument pas. Par contre, je suis nul en maths. Par contre, voilà, évidemment, on peut pas être bon à tous les niveaux. Je pue la sauce en maths. Ok, bref, pas important. On est quasiment à 1000 de puissance. Ça devrait être pas trop difficile, du coup, de tuer des selles. Ah, ça commence à être... Comment est-ce que c'est un peu long? Vas-y, je vais faire des petits cuts au montage, là, parce qu'on commence à s'ennuyer à juste auto-click selles. Je viens de drop un truc de ouf. J'ai droppé... Oh, attends, mais j'avais la Z-Sword aussi, j'avais pas vu. J'ai l'épée de Janemba, Dimensional Blade. Oh, elle est stylée. J'ai envie de voir la Z-Sword maintenant aussi. Les épées sont vraiment cool dans ce jeu. Il faut le dire. Oh, ouais, les effets et tout sur les swords dès le début. J'apprécie grandement. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est frais. On peut les fusionner. On peut les vendre, en tout cas. On peut les fuse? Je crois que non. Bah, on va les vendre. Celle Hall. Oui. Ok, toujours la Dimensional Blade. J'ai eu peur que ça me la supprime, mais non, ça aurait été bizarre. Ok, donc là, déjà... Je gagne combien? 3.6. Donc je gagne effectivement plus de dégâts maintenant. Parfait. Elle est cool. Les épées sont vraiment vraiment stylées. Les effets et sont beaux. J'ai hâte de voir les futures compétences aussi parce que là, mon Makanko Sapo est un peu éclaté. Mais vu le style des graphes du jeu pour l'instant, j'ai bien espoir que les prochaines comps soient assez insane. Vraiment, bravo aux gens qui ont fait les effets du jeu parce qu'ils sont vraiment vraiment cool. On sent la force, on sent la puissance qui upgrade. Regardez-moi ça. Déjà, le sel tout à l'heure, je lui faisais aucun dégât. On aurait cru que limite, j'avais pas le level pour le tuer. Là, ça commence à aller vite. Et plus je frappe, plus ça va vite. Donc le prochain sel ira encore plus vite. Celui d'encore après, je vais le tuer comme si c'était une motte de beurre. On dit une motte de beurre, je crois. Je sais pas. Écoutez, est-ce que je suis cuisinier? Non. Est-ce que je sais cuisiner? Non. Bref, alors, collect. Let's go. Ok. Tu 2 weak, 5 strong et 1 mini-boss. Ok, j'ai pas encore vu le mini-boss. Oh, ah ouais, Raditz c'est faible. Je pense que c'est boule mini-boss. Non, ça doit être sel. Mais oui, ça doit être... Ok, attendez, combien de PV? Oula, oula, 1 500 000. Ah ouais, c'est l'équivalent de genre 20 sel imparfait. Donc c'est ce sel actuellement que je suis en train de tuer. Tu fais ça fois 20 en temps. Et t'as à peu près le temps de sel. Quoique, il y a un freezer aussi. Peut-être que freezer est moins fort. Vas-y, attends, on va voir ça. Donc lui, 1 500 000, ok. 1 million... Ouais, pff, non, mais toujours 1 500 000. Ça n'a pas changé. Mais je pense qu'il donne des bonnes récompenses. Je vais essayer d'XP un petit peu. Je vais faire déjà l'étape où on me demande de tuer des selles imparfaits, histoire de level up un peu plus. Et après, je vais juste me mettre en autoclick, genre 5 minutes pour tuer selles. Parce que là, actuellement, ça va être trop lent. Là, ça va être trop trop lent. Déjà, un sel me prend quelques secondes. Donc ça, fois 20, ça va prendre ouais, 2-3 minutes de clic. Après, ça passe. En vrai, ça passe. D'autant plus que je deviens de plus en plus fort. Je commence déjà à fumer sel, vraiment, comme je vous l'ai dit. C'est comme dans du beurre. Ça se tue en 2-2. Voilà, ça commence à power up. Je vais peut-être aussi réinvoquer. Ok, les étoiles ont disparu. D'accord. On va réinvoquer avant de continuer. Let's go. Attends, qu'est-ce que j'ai? Quoi? Pourquoi je vole? Qu'est-ce que c'est que ce... Alors là, j'ai pas trop compris comment ça se faisait. Je ne vole plus, là. Je sais pas ce qui se passe. C'était bizarre. Ok, d'accord, très bien. Open 3, je suppose que c'est payant. Yes. Le auto open. Le auto est gratos. Ok, merci. Merci, merci. Enfin, un jeu qui ne mette pas genre. Eh, rejoignez notre groupe pour l'auto open. On s'en fout de votre groupe. On s'en bat les couilles de votre groupe de développeurs. À quoi ça sert? À rien. Généralement, avoir des Game Pass. Et c'est tout. Ok, let's go. Ok. J'ai pas eu de trucs incroyables. On va revendre les autres. Celle Hall. Ça m'a pas donné grand chose. On peut en réinvoquer un. Donnez-moi ces 17, s'il vous plaît.
Ok, c'est pas grave. Très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on peut les fusionner? On dirait que non. Peut-être qu'il y a une machine pour les power-up, je sais pas, pour les mettre en gold. Non, on dirait pas non plus. Ok. Bon, bah visiblement, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Faut juste qu'on continue de bolosser des sels et tout. Et on va voir. Ok, je vais faire ça. Ok, ça va être bon. Ça a pris un petit moment, mais ça m'a permis d'aller faire autre chose pendant quelques secondes. Ok, il est dead. Z-Sword. Ok, est-ce qu'elle est bien? Non, elle pue. Ok, c'est pas grave, on vend tout. Ok, alors, quête réussie. J'ai eu beaucoup de fric, on va pouvoir invoquer. Bonjour, tortue géniale. C'était la dernière. Tue un boss, tue un weak, un strong et deux mini-boss. Ok, ça, je peux le faire. On va tout d'abord invoquer, parce que là, vu ma force actuelle, je peux faire un boss. Un boss, c'est... Bon, ok, c'est un peu long. C'est à peu près 8 500 000, j'ai l'impression, d'après le book que j'ai vu. Oh, let's go, c'est 17. Donc, c'est à peu près 8 selles. Donc, déjà, un sel, c'était long, mais c'est pas grave. Je suis devenu plus fort. Je suis quasiment deux fois plus fort, donc ça devrait le faire. Ça devrait pas être trop, trop horrible. Ok, let's go. Alors, 0.5. C'est pas une super upgrade. Hein. C'est pas incroyable. Ok, c'est pas grave. On va faire avec ces 17 pour l'instant. Est-ce que... Ouais, 0.5 pour Vegeta, c'est chaud, en vrai. C'est un peu compliqué à obtenir. Donc, il va falloir que je farme un moment si je veux en obtenir un. J'espère qu'il est bien par rapport à C17. Après, ça fera l'affaire pour l'instant. Ça suffira. Ok, il faut qu'on tue du coup un weak. Vas-y, vas-y, juste par curiosité. Raditz. Hop, deux, two shot. Allez, ça c'était facile. 3 strong. Ok, bah ça, pareil. Bonjour, Cell. Ah, voilà, regardez, ils font. Ils font. On voit la barre rouge. On la voit très très clairement la barre rouge des dégâts que je fais. Ok, suivant. Parfait. Ils font aussi. C'est 3 seulement. Donc, oh, attends, j'ai oublié les étoiles. Voilà. Parfait. Et le dernier. Et après, du coup, deux mini-boss et un boss. Ok, les mini-boss vont clairement être très utiles pour XP parce que là, tuer un boss avec ma force actuelle, ça va être trop, trop, trop long. Ok, strong, dead, parfait, donnez-moi ça. Il y a des boss là-bas. Oh, oui, il y a des mini-boss, donc je peux les faire tout seul si je veux. Et il y a un portail qui est probablement le portail vers le prochain monde. Voyons voir ça. Ok, next world, effectivement. Est-ce qu'il y a marqué ce que c'est? Voyons voir. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que tu veux acheter le Ninja World? C'est 50 000 stars. Ok, donc c'est Naruto après, 50 000. Bah j'ai pas l'argent pour l'instant. Donc on va déjà faire Freezer. Et on va faire la quête. Et après on essaiera d'y aller. Ok, c'est bon, j'ai réussi la quête. C'était long. Je suis parti faire autre chose. Mais en même temps c'est les salés des simulateurs. J'ai eu le temps de lancer une petite game sur un autre jeu et tout. Et vite revenir. Ok, alors c'est Tipa. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on gagne après toutes ces quêtes? Rien. Quoi? I'm sorry, what the fuck? Ok, d'accord. Eh ben, j'ai rien eu. Ok, cool. Même au niveau fric, non, j'ai du fric. Ok, je dois pouvoir passer à Naruto. Est-ce que c'est parce que je pouvais pas passer à Naruto tant que j'avais pas fini les quêtes? C'est peut-être ça le bail. Donc partons. Cassons-nous. Je pense que je suis pas encore. J'ai pas encore dominé ce monde. Hein. Clairement, je galère encore un petit peu à faire boom, mais c'est pas grave. C'est 50 000! Bah, j'ai la flemme en fait. Bah, j'ai pas envie. J'ai la giga flemme. voyons voir un peu, rien que Freezer. Regardons à quelle vitesse je le tue. Ouais, ok, ok. Donc même Freezer, oh quoique Freezer ça commence à venir petit à petit. Mais dans tous les cas ça va être long à farm. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner à FK 20 minutes, 30 minutes juste pour aller chez Naruto? Non, non j'ai pas envie. Non, bon le jeu est bien. Point, fini, fin de liste. Merci à tous. Non le jeu est pas trop mal en vrai. Le jeu a des plutôt bons graphes et tout. Ça a l'air très très long par contre. Et ils ont déjà pas beaucoup de joueurs donc. Écoutez, à force, bon, ça fait quand même des années que je joue à Roblox, des années que je fais des vidéos Roblox. Je commence à avoir un feeling quand je sais qu'un jeu va survivre ou pas. Celui-là, je pense, il est dead dans deux jours, malheureusement. C'est dommage, mais c'est malheureusement la cruelle réalité de Roblox aujourd'hui. Si ton jeu dès le début est un peu lent, il n'y a pas beaucoup de joueurs, dead le jour d'après. C'est comme ça. C'était pas le cas avant, il survivait un peu plus longtemps, malheureusement. Ce n'est plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Ce qui est dommage parce que du coup on a toujours juste les mêmes jeux au top et ça c'est dommage. Donc j'aimerais bien que ce jeu marche mais je pense pas. Je serais agréablement surpris si ça arrive. Ce serait cool mais je pense pas, j'y crois pas trop. Bon, dommage mais c'est quand même plutôt sympa. J'y rejouerai peut-être sur mon temps libre, je verrai. Mais là j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui. J'ai pas envie d'autoclic donc c'est tout. Merci à tous d'avoir suivi. Demain, on fera une vidéo un peu plus longue, cela a été un peu courte. Allez, au revoir, adieu.